Karim Benzema a été reconnu coupable de complicité de tentative de chantage dans l'affaire de la sextape de Mathieu Valbuena. Le tribunal de Versailles l'a condamné aujourd'hui à un an de prison avec sursis et 75 000 euros d'amende, une peine plus lourde que les réquisitions du parquet. Le Brondillon a décidé de faire appel. Simon Persitz et Lauriane Pelaou. Karim Benzema, reconnu coupable de complicité de tentative de chantage, accusé d'avoir en 2015 encouragé son ancien coéquipier de l'équipe de France, Mathieu Valbuena, à payer des maîtres chanteurs afin d'éviter la divulgation d'une vidéo intime. Le footballeur originaire de Bron est condamné à un an de prison avec sursis et 75 000 euros d'amende. Une peine injuste et sans preuve pour ses avocats. C'est un mauvais résultat puisqu'il ne correspond pas à la réalité des faits. Je rappelle que vous avez entendu le tribunal dire que M. Benzema n'était absolument pas informé des sous-jacents de l'affaire. Donc comment, en n'étant pas informé des sous-jacents de l'affaire, a-t-il pu être le complice de ce projet ? Pour le président du tribunal, l'ancien joueur de l'OL aujourd'hui au Real Madrid n'avait pas connaissance des manœuvres, mais il s'est impliqué personnellement dans la tentative de chantage. Dans ce dossier, les quatre autres prévenus ont été condamnés à des peines allant de 18 mois avec sursis à 2 ans et demi de prison ferme. À Lyon, ce verdict ne semble pas avoir impacté l'affection de la population pour l'enfant de la région. C'est vrai qu'il a peut-être pas été très très malin, mais à côté de ça, nous à Lyon, on a une tendresse pour lui. On peut pas nier la justice. Mais bon, voilà, après, je pense que ça remet pas en cause sa grande carrière. Je pense que ça reste un très bon joueur. C'est une affaire qui remonte un peu à longtemps quand même. Donc je pense que ça va pas ternir à son image, non. Les avocats de Karim Benzema ont annoncé qu'il ferait appel et que le joueur absent lors de son procès viendrait cette fois s'expliquer lui-même s'il n'était pas retenu par un motif professionnel.